Oh bah voilà les gars, c'est pas de la magie. On a été rechercher les boîtes chez nous parce que du coup il n'y a pas assez d'eau pour Bito. Et par contre quand on a immergé la caméra au fond, quand on a commencé à poser le robot, on a vu une voûte, il y a une voûte triangulaire comme ça, c'est magnifique, c'est magnifique. J'espère qu'il y a une salle derrière quoi. On allait dire comme dans les couvents, mais oui, on a une abbaye, c'est un peu ça. C'est vrai. Mais pourquoi ils auraient fait une voûte différente que l'entrée? On sait pas. Et pourquoi une voûte en plein milieu de la tunnel? Ouais. C'est des questions qu'on se pose et on va aller voir ça. C'est parti. Ouais. Allez, go, c'est parti. Feu. Bon les amis, c'est parti. On y va. C'est parti. Go. Oh, il y a du fond là. Oh, c'est trempé, putain, j'ai la... Oh, j'ai le pied trempé déjà. Allez, vas-y, oh. Oh, vas-y Cédric, toi. Vas-y, mais je te suis derrière. En fait, ce que j'ai pas dit à Gaëtan, c'est que je vais prêter les bottes. Il y a un trou dedans. Ah ouais, puis bien. Ouais, mais bon, t'auras pas les pieds sales. Hein. Oh, ouais. Putain, elle est gelée, hein, Cédric. Je vois rien, j'ai ta lampe en pleine en fait, ça me fait, je vois rien. Oh là on est un peu plus cher. Mais là Gaëtan, en fait ça a déjà été rempli. Toi ça a déjà été rempli. Hein? Ça a été rempli. Ah ouais, il y a des tuiles partout dedans. Ouais, non, ça te casse la gueule surtout. Ouais, mais il y a des tuiles, regarde. Ouais, mais ça l'époque peut-être. Hein. Et là, on prend un bout d'os. C'est un bout d'os. Arrête. Ah ouais? Ok. Ouais, ça a l'air trop con après, là, non? Je t'enlève, Gaëtan. Oh putain, mais non, mais. T'as vu ce qu'il y a au-dessus là? Oh, ça a rien de ça. Elles sont belles. Oh putain, je suis trop. Ah, mais tu vois, elles sont pas chères, elles sont pas chères. Là, on est obligé, hein. Ah putain, je suis un peu dans la deuxième aussi, mais. Ah, tu prends grave. Allez, t'es mouillé. Ah. Les dalles qu'il y a au-dessus, regardez ça. Les grosses dalles au plafond. Oh la vache. Oh putain. Ah, moi j'arrive, j'ai du mal à avancer, hein. Sans poser le genou, c'est chaud. Oh la vache. C'est ma faute, hein. Je... Oh, calor quoi! Ah. Oh. Ah. Tiens, fais une pause de temps en temps comme ça. Ouf. Ah, tu peux pas toi? Bah non, je peux pas. Pas de ah, de toute façon, je prends la flotte. C'est chouette, non? On est loin derrière là déjà? Un petit peu quand même, hein. C'est dommage qu'il n'y avait pas assez d'eau pour le robot. Ouais. Ah, le bateau, ça aurait été pas mal. C'est bon, je prends pas la flotte comme ça. Ça va où? Oh la vache, ça va loin. Faut pas que ça se casse la gueule, hein. Je fais le bateau, mais... C'est le bateau, en fait.
Ah vache. Pourquoi touche les parois? Pourquoi? Viens, t'es loin de moi là. Wow. C'est quoi ça? Je pensais vraiment pas que c'est aussi loin. Non, c'est vrai. T'en pensais pas du tout quoi. On pensait pas du tout. Moi j'observe le sol, qu'est-ce qu'il peut y avoir de planqué là-dedans? Attends, bouge pas, mec. Ah bon? Attends, je vais me poser là-dessus moi. Oh. Oh. Ouais. Si tu veux. Oh, j'ai une envie de pisser. Ah ouais, tu calmes. Tu es calme. Il y a des bouts de bois cramés là. Non ? Moi je dis on va mettre une géocache ici. Ouf, ouf. Ah. Attends, ça va vraiment trop loin. Ah, ça va bouger là. On va jusqu'au bouchon. Ah oui hein. Okay, on va plus poser. Ah t'as le cheminée au-dessus de toi là. Ah, ouais. Oh c'est cool, je peux lever ma tête. Hey, je peux lever ma tête. Il y a des araignées à mon avis qui campent là-dedans. Hein? Non? Tout à l'heure dans la cheminée d'avant, il y en avait des belles. Hein. Ouais, ça va, on va manquer sur ma tête. Tu veux passer un peu devant que je te vois un peu craputer? Ah pff, c'est bon, hein, vas-y, hein, t'inquiète. Ah courage quand tu nous tiens. Ah ouais, c'est bon, je suis bien là. Bien, continue comme ça, Cédric. Puis là, gros orage. Ah ouais. Ah, t'imagines la vitesse qu'il faut sortir de là-dedans, gros. Comment il est allé là? Non, non, non. Ouais, en plus, le temps est chargé. Ouais, ouais. On peut même pas dire qu'on a dans le sens du courant, c'est passé une sortie. Ah. Oh. Là, il y a Théo qui nous cache. Qui nous cache la porte. Et comment t'as fait de le Jura? Okay. Oh, tout de ouf. Je regarde dans l'eau aussi, moi. Tu regardes dans l'eau aussi? Ouais. Je regarde pareil dans les pierres, tu vois, c'est pas une pierre... Une cache. C'est une cache, quoi. C'est logique de cacher là-dedans, hein. C'est logique. Ah, j'aurais dû prendre mon truc de caméra de tête. C'est très dur. Bon, les amis, c'est vraiment très dur d'évoluer. Oh, mais j'ai un truc de dingue. Et ce genre de petit tunnel, moi j'avance accroupi. Aïe, 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 aïe. Ah, oh, putain. C'est clair qu'il n'y a pas assez d'eau pour Bito. Hein. Ah, il s'en fout, lui, il a quatre pattes, lui. Ah. Ah. Ah putain, je suis congelé hein. Moi aussi, je commence à avoir la main congelée. Ah la vache. Moi je dis qu'on a juste la branche, j'ai l'impression que ça descend ou c'est une effet optique, c'est quoi? Oh la vache, c'est loin. Hein. Il y a beaucoup de fumée maintenant, c'est bizarre. Ah. T'as vu mon rayon? Ah, ouais. Mais le pieu tout à l'heure, il a dit qu'il avait été avec son grand-père. Il était avec son grand-père. Ouais. Là-dedans? Bah ouais, mais de l'autre côté. De l'autre côté. Est-ce qu'il y a là? Ah, je suis désolé, je suis obligé de poser la caméra à chaque fois. En fait, on est vraiment à quatre pattes. Voilà comment, comment on évolue. Ah, puis là, c'est bon, c'est une fois. Hein? Oh la vache.
faut revenir en plus après. Quoi? Après faut revenir. Ouais, j'espère qu'il y a une sortie. On va plus là-haut. Hein, j'espère qu'il y a une sortie. Ouais, je sais pas, le tout, il a dit qu'il y a dans le bois là-haut, il avait vu des tunnels comme ça. Un trou avec de l'eau. Ah mais t'imagines, s'il faut traverser 100 mètres là, il est loin hein. Bah, on a déjà fait 100 mètres là, non? Quoi, bah, si t'allais accroupi comme ça, je suis pas sûr. Bah rien. Ouais, j'avais tout mis déjà. C'est bien, on est loin. Oh la vache. Tu touches à rien, d'accord Gaëtan? Les petits gars, les petits bâtons comme ça, on les enlève tout doucement. Faut pas que ça fasse levier, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Là c'est... On prend des risques, mais on n'est pas fou non plus, on essaie de faire attention. Le moindre bruit, on dégage. Oh, ça se rétrécit le plafond, mec. Attends, on pourra pas y aller. Trop loin en fait. Trop loin. Il y a le bateau, Castel. Hein? Il y a le bateau, en fait, il y a. Non, regarde, c'est trop loin, le bateau. Aïe, aïe. Ah, on voit, ça commence à craindre. Ah, mais on voit pas le bout, bon. Hein? Attends, on y va? Ouais, je sais pas, je vois. Ça va? Ah oui! Ah ouais, t'as vu, ça fait un S là-haut. Un S où? Ouais, là. Comment ça? Tac, ça va à gauche, ça va à droite, ça va à gauche. C'est un petit virage. C'est quoi? Bah écoute, c'est toi, hein. Allez. On est dedans, hein. Faut voir la profondeur après quoi là. La profondeur, tu dois faire demi-tour pour aller chercher le bito, toi? Hein? Tu dois faire demi-tour pour aller chercher le bito? Ouais, c'est vrai. Ah oui, là, la profondeur ici, là. Ah, il a. Ah oui. Là, c'est profond, là, non? Ah oui. Ah oui, effectivement, on voit pas le fond. Ah si, là, ça doit être un trou. Attends. Ah ouais? Ici, là. Attends, j'essaye. Là, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ok, c'est bon. Un tunnel de Godin. Ah. C'est ça, c'est pas un tunnel, les gars? Ouais, là, franchement, on est. C'est quoi? Ah ouais. Allez, on y va. Y'a plus le bruit de la cascade. C'est pas mieux, c'est pas plus rassurant. J'entends une autre cascade. Je sais pas si en vrai ma caméra elle fera grand chose. Y'a des escaliers. Prends pas des escaliers, des paliers. Ça, ça coule de, sur le côté là-haut. Ouais, ça écoute, je propose qu'on aille jusqu'à là. Après, on va voir si c'est la source. Ouais. Ok. Ah putain, comment je vais faire? J'arrive pas à stabiliser ma GoPro. Ah bah moi, je suis pas sûr que tu aies des images, encore. Hein. C'est chaud. Hein. Oh. Est-ce que t'as foutu? Hein? T'as glissé? Ouais. Oh. À quatre pattes. Allez, les petits effondrements ici là. Oh la vache. Oh, j'aimerais bien être à quatre pattes, Cédric. J'ai plus de pattes. Ah oh, bah j'ai plus de jambes. Ah bah oui, mais t'as pas de bonheur. Oh, viens de là, hein. Non, ah non. Oh.
fois. Allez. Merci, comment. Oh, il y a des inscriptions. Ah, oh, ça c'est beau. Ça c'est beau, Gaëtan, on a trouvé quelque chose. Oh ouais. Oh, un tunnel, gros. Délire. Wow. Regarde, il y a des inscriptions. Waouh. Waouh. C'est un ange qui... Avec une fontaine, non? Ouais, j'ai l'impression que là, c'est... Je prends l'eau. Je prends l'eau sur le cul. Ah putain, je peux même pas mettre accroupi, Cédric. On arrive même pas à lire. Oh putain. On arrive même pas à lire. Oh. Ça veut pas. Putain, mais ça c'est impressionnant ça. Pourquoi tu vois? La machine à la pierre, là, elle est dingue. Ça ouais. Elle est vraiment ouais, dingue, la pierre. Donc je pense que ça a été fait après, parce que ça c'est le vêtement de l'abbaye. Ouais, je pense. Ah. Ouais. Mais après, elle a été restaurée plusieurs fois. Donc. Ouais. Wow. Ça va encore loin. Hein. Ouais. Si tu veux, c'est ce que tu veux. En fait, c'est génial, mais c'est vraiment très très long. À 4 sacs comme ça, c'est bien difficile. Surtout avec Gaëtan, qui a un peu de mal avec son âge. Qu'est-ce qu'on fait, Gaëtan? On va jusqu'au virage? Parce qu'à chaque fois, on se dit jusqu'à là, la fontaine, on y est. Ah. Reste là si tu veux. Des pommes de pain. Oh putain, une moustique de merde. Il y a une cheminée au-dessus. Et là, il y a un conduit qui récupère l'eau. Gaëtan, qui va super profond aussi. J'ai rempli de petits conduits qui ramènent l'eau. Et je pense qu'en haut, bah, ça doit être pareil. On fait quoi, le virage? On regarde. Ce qui se passe au virage, si ça continue, on arrête. Ça te va, Gaëtan? Oui. Là, on va se donner une limite. On va se donner une limite, on va aller jusqu'au virage. Et si ça continue vraiment comme ça, on arrête, parce qu'on a déjà fait vraiment un très très gros embout et après on va pas prendre de risque, on sait pas si c'est respirable ou si autre chose. Comme je dis, on veut bien regarder, on n'est pas des fous. En plus, on a 4 pattes. Oh, les moustiques là! Putain, il est temps, regarde les moustiques, c'est incroyable. Oh, ils sont agressés, hein. Oh, les connards! Faut qu'on passe sous les moustiques. On va jusqu'au virage en haut là. Et tant, j'attends encore une cascade. Ça va? Ouais, ça va. J'ai du mal. C'est juste ça. Ça serait bien qu'on voit une lumière. Hein? Oh la vache, je suis trempé, Cédric, je suis vraiment trempé. Hein. Moi, je suis en cul. Hein. Allez, on va faire demi-tour. Faire demi-tour? Ouais, oh la vache, des milliers de moustiques. Des moustiques, millions de moustiques. Allez, les gars, bon, on prend sur nous. Hein. On vous laisse sur votre fin, je suis désolé. On reviendra avec le bateau quand il y aura un peu plus d'eau. Alors, là, on verra Bito là-dedans, il va pour nous parce que là, franchement. C'est chaud, c'est chaud. Il y a encore de l'eau qui coule. On n'est pas si loin que ça, je continue un peu. Vas-y, continue un peu. En fait, il nous faudrait juste qu'on puisse marcher, quoi. C'est ça le problème, hein. Mais t'as, je te dis, t'as 4 pattes, mais là, je suis accroupi, j'en peux plus. Ah la vache. J'avoue, Vas-y, enfonce-toi, je t'attends là. Fais chier que j'ai pas de pierre parce que je suis trempé quoi. Oh putain, je vais bien me poser.
Oh, ça va trop loin. Ça va trop trop loin. Ça va encore loin après là. Ouais. Ah, ça va vraiment loin, Gaëtan. Ouais. Là, on peut encore continuer. Hein. Ah, ça fait chier. Je peux pas laisser. Sans voir le bout, tu vois, je préfère que ça soit bouché. À un moment donné. Vas-y, vas-y, Cédric. Moi, je me pose là. J'ai un cul pour me poser là. Hop. Impeccable. Oh, les moustiques, mais c'est incroyable. Incroyable, incroyable. Là, il y a beaucoup de... Oh, je vois pas le fond, Gaëtan. C'est un truc de fou. Allez, bah, j'espère que vous nous en voudrez pas, mais en vrai, on peut pas. On veut pas prendre trop de risques. C'est trop loin, on sait pas. On a quatre pattes. On galère, on commence à transpirer, on a chaud partout. Et là, on fait demi-tour. On viendra avec une bateau. Avec Bito. Ah, tu reviens? Ouais, c'est trop loin, les gars. Ouais, c'est long. On trouve une autre rentrée, je sais pas quoi. Hein? Attends, peut-être qu'on va faire une photo pour la vidéo, ok? Tu bouges pas? J'arrive. Ouais, ouais, t'inquiète. T'as pas de lampe avec toi? Hein? Celle-là, ouais, j'ai ma lampe, ouais, bien sûr. Allez! Attends! Tu veux des éclairs d'eau? M'éclaire-moi, m'éclaire un peu moi. Comme ça. Oula! Dans l'eau! Ah, moi je peux pas la mettre dans l'eau là, mais j'avais pas les torches. Ouais. Regardez-moi celui. Oh non! Est-ce qu'il y a les tanches? Non, non, il est pas, sûr. Hein? Gaëtan me dit. Ma lumière n'est pas étanche. Non! Et paf! Deux fois de suite, il a fait tomber dans l'eau! Oh, deux fois de suite, il va partir dans le noir! Alors là, on risque de rigoler, hein! Alors, allez, go, on y va là! C'est tout noir là-haut! Vas-y, on repart pas sans lampe! On y va? Ok. Elle n'est pas étanche, deux fois de suite il a fait tomber dans l'eau. Ouais, ouais, la première fois le pont, il la prend, il la secoue, il la secoue, paf, encore dans l'eau. Non, je vais là. Tu voulais quoi? La poser là pour faire la miniature. Eh, t'as le cul trempé, mec. Eh, t'as les. En plus, t'as mis les deux pantalons, hein, les deux ils sont mouillés. Ah, t'es con, hein. J'avais dit d'en laisser un de la voiture. Ah non, je voulais deux, moi, j'ai dit. Voilà, on reviendra mais mieux équipé. Hein? Avec des bombes à oxygène. Oh, ça tournera tout seul. Bah en fait, on prend pas compte. Quand on y va, on dit allez encore un petit peu, encore un petit peu. Et quand on repart, un petit peu quoi là, ça y est, on commence à voir. Moi je double les Gaëtan et je vais speeder. Hein. Non. Non, qui dit? Alors, je sais pas du tout ce que ça peut donner de filmer en posant le trépied tous les mètres, mais on est vraiment désolé. Là, on voit que je touche le haut, je touche à quatre pattes. Oh, on est clos, je sais pas si c'est des bons joueurs sur la caméra. On est clos. Allez, encore pas. Ah, un rat! Un crocodile! Tu imagines les messieurs qui arrivent quand on court, hein? Ouais, je te jure que j'arrive à te doubler quand même. Attends, ça c'est chouette par contre. Allez, encore pas. Ça c'est vraiment chouette. Aguerri. Il est préparé pour aller. Ouais, je pense qu'il y en a qui sont venus quand même là-dedans, mais il n'y a rien sur internet. On regarde, on essaiera de voir. Il faut trouver le mot-clé quoi. Si j'en fais un peu. Et nous, on va taper quoi? Tunnel, on va taper quoi? Je passe devant. Hein? Je passe devant. Ah, c'est toi qui passe devant, qui tu fais.
Eh, hey, t'oublies ta caméra, Gaëtan. Tiens. Oh, ça fait dommage. Que je passe devant? Oh, il a peur, je me tire, l'autre. Je t'avais dit, mettre des bottes plus grandes. Et hier, à Montaigne, tu te moquais de Jérôme parce qu'il était mouillé. Voilà, c'est beau là, bouge pas. Bouge, stop. Oh. Ah non, Cédric, je pouvais pas. Si. Ah, je te jure, Cédric, j'en pouvais plus. Là, j'ai juste envie de sortir, Cédric. Ça devient de plus en plus chaud là, je vois pas la fin, je te jure, ça me panique d'eau. Quand c'est chaud, ça faut que j'arrête de faire ça. Ah, je vais crever. Ah, vache. On a l'impression que le retour est plus long que l'aller. Hein? Ouais. Ah, on voit les trucs en triangle là. Ah ouais, c'est épuisant. Épuisant. Ah non, c'est ouf hein. Mais il n'y a pas tant d'oxygène que ça là-dedans. J'ai vraiment du mal. Eh, c'est quoi ça? C'est pas la ferraille? Non, c'est un bout de bois. Un bout de bois. Ah. 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 Eh, c'est parti. Oh, j'ai les gens qui flagent. Entre la frayeur et la gêne pour respirer. C'est chaud. Gaëtan, est-ce que tu vois la lumière au bout du tunnel? Non. Non, pas vers la lumière. Va pas vers la lumière. Oh, on est encore loin de la sortie, hein. Eh, hey, c'est sûr qu'on a bien fait du tour. Hein? Wouhou! Tu vois toujours pas la lumière? Non, toujours pas. Commence pas à paniquer. Éteins ta lumière? Commence pas à paniquer, gros. Non, mais t'inquiète pas. Attends, j'éteins ma lumière. Attends, j'éteins ma lumière. Là, c'est bon, là. Wouah! Pas de lumière? T'as comment qu'on est dans le noir? Oh merde, ma lampe! Ah oh, putain, ma lampe, si c'est bon, elle remarche. Ah, oh, bah, elle va déconner, hein, c'est sûr. Oh. Allez. Oh, j'arrive vraiment plus. Oh putain. J'en peux vraiment plus, ce gars. Oh, c'est bien, c'est bien. Ah ouais, il fait tout noir. Ça fait super pas le temps qu'on marche. On voit pas la sortie. On voit la lumière de la sortie. Normalement, quand c'est la sortie, on voit la lumière bien avant. Et là, on voit rien. Mais c'est noir, noir, noir. Viens, Gaëtan, j'ai tatou. Prêt? J'ai tatou, t'es prêt? Vas-y, vas-y. Hop, hop, hop. Voilà, les gars. Eh, en night shot, ça devrait péter, mec. Hein, hein? Zéro pour les lumières. Ah. C'est que les jeunes, ils ont bouché le trou. Hein? Ah ouais, ça se trouve, c'est les gosses qui ont bouché le trou qui dit. La pauvre blague de merde, j'espère que jamais un jour quelqu'un nous fera ça. Dans le Jura, c'était pas pareil. Hein? Dans le Jura, c'était pas pareil. Dans le Jura? Bah, quand on a bouché le trou.
Maman, qu'est-ce qu'on fait là? Je trouve plein de trucs comme ça, plein de... des bouts de poterie, je crois. T'es sûr que c'est une boule poterie? Il est bien, il est allié comme ça. Ah là? Ah oui, bah c'est de la faïence, ça. Ah oui, effectivement. Mais dis donc, c'est lourd, ouais. Il n'y a pas de trésor là-dedans? Eh, hey, t'imagines, on trouve ne serait-ce qu'une pièce. Oh, c'est vrai cool. Là. Ah, ça y est, on va l'allumer. Arrête. Ah, ça y est. Ah. Allez, Gaëtan qui reprend vie. Hé, hey, Gaëtan, tu noteras qu'à l'aller, j'étais un peu accroupi. Au retour, je ne suis plus du tout. Hein. T'as pété ou quoi? Ça pue là? Je viens de faire un énorme pet. Ça pue tout d'un coup là, non? Oui, j'ai pété. Oh, c'était la fumée. C'est vrai, c'est toi qui as pété en vrai? Ouais, pour de vrai. Mais tu te rends compte que c'est un tunnel, gros? Bah oui, je sais, mais qu'est-ce que je te dis? Mais ça pue, bah laisse-moi passer. Oh non! Ah putain! Quoi? Oh non! Les gars, sentez-moi ça! Ah, il pue du cul? N'importe quoi! Non mais! De toute façon, je l'ai dit aux abonnés! Ça déconne! Je vais péter un coup pour laisser des bonnes odeurs à celle de vous! Ça déconne! Vous avez déjà vu ça? Un collègue qui nous pète à la gueule d'un tunnel! Mais l'odeur, non, c'est pas possible, monsieur le courant! Mais j'arrive sur le tunnel, je savais pas que t'avais pété! Je dis, putain, ça pue ici, qu'est-ce qui se passe? Mais vous voulez péter! Ah non, non, non! Ah non, non, non! Le mec, il a pas de chute, lui, quoi! Ah. Oh. Oh. Oh la vache. Oh. Je suis trempé. J'ai mal au plat. Honnêtement, ça allait super loin. Ah oui. Là, on vous parle à chaud, t'as vu, elle est là. Ah, okay. On vous parle à chaud, on est désolé, on n'a pas pu vous montrer le fond, mais je crois qu'il n'y en a pas. Allez, on souffle 5 minutes et on vous reprend. Ouais. Okay. Alors Gaëtan est asthmate. Ah oui, il y a des orties. Il n'y a plus de chaussettes, le mec. Ouais. Allez, viens, c'est des orties à fleurs, ça pique pas. Gaëtan, c'est des orties à fleurs, ça pique pas. Oh. Ma soeur qui dit, attends, tu vas voir que je vais lui dire. Elle va te mettre une claque, mec, tu vas voler, hein. T'as entendu, Laetitia? Alors voilà, après avoir repris notre souffle pendant une demi-heure, parce qu'après avoir crapahuté là-dedans, c'est clair, au moins 250 mètres, tu m'emmènes dans des endroits, Cédric, ça arrive. C'est un truc de fou. D'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi les gens vont à la salle de sport et venez avec nous faire des petits tournages, ouais, comme carrément. Ça, vous allez voir, on crapaute, hein. Allez vous tremper comme je le fais pour les vidéos de Cédric. Eh, moi, je me sens... Oui, c'est la mienne aussi. Hein. Enfin, toujours est-il que quand on a fait cette découverte au fond de ce puits, enfin, mi-chemin, on va dire, ouais. Gaëtan s'est dit, il faut qu'on le dise, donc Gaëtan a appelé l'association. Bonjour, monsieur. C'est une pierre tombale. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, parce que du coup, dans le tunnel, on a trouvé qu'elle était vachement belle, vachement sculptée. Et qu'on trouvait dommage de la laisser là-dedans. Ouais, enfin, on s'est dit, on voulait les prévenir qu'il y avait quand même ça, que c'était vachement beau. On n'a pas été jusqu'au bout, honnêtement, ça va très très loin. Hein. Jusqu'à 300 mètres. Il y a 300 mètres, quand même. Donc, suite à cet appel, l'association nous a appris que le tunnel faisait 300 mètres de long et qu'il n'était pas du tout bouché. Non, pas du tout, ouais. Ça veut dire qu'à mon avis, on était à moins de 50 mètres de la sortie, parce que ce qu'on a crapahuté. Carrément, on était vraiment pas loin, quoi. C'est ça. Et concernant la belle pierre, ce pourquoi on les a appelés, il nous a appris que c'était... C'est une pierre tombale, tout simplement, qui a été réutilisée pour... En guise de poteau. Ouais, en guise de poteau. Ouais. Donc ça doit être une très vieille pierre tombale. Ouais, c'est vrai. Donc si on calcule bien avec Gaëtan, je pense une estimation qu'on a fait au moins minimum 200 mètres. Minimum 200 mètres, ouais. Gaëtan. Donc si on avait continué, il nous restait 100 mètres à faire, on sortait. Là, on a fait demi-tour, on a refait 200 mètres, donc final, on a fait plus 400 long que le tunnel. Mètres, ouais. Ah ouais, on a été un peu couillon, ce coup-là. Ce tunnel était magnifique.
carrément. Vous aurez marqué juste en dessous en fait le nom de l'association là, on leur fait une petite pub parce que c'est vraiment bravo à eux en fait, c'est vraiment exceptionnel de voir des lieux comme ça qui sont rénovés, du moins sauvés on va dire quoi. Ouais. Ils sauvent ce qui reste à sauver et c'est chouette. Pour l'histoire, pour qu'on n'oublie pas. C'est ça. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite exploration vous aura plu. Carrément. Nous, franchement, on en a chié. je sais pas si ça se dit, on en a bavé. Si tu peux dire chier. J'ai le droit de dire chier. T'as le droit de dire chier. Nous, personnellement, on en a bavé. C'était assez dur, physique. Ouais. Et on est désolé de ne pas avoir été au fond, mais ce serait très serré, très serré. C'était trop dur. De toute manière, vous voyez le fond, hein, vous avez les images devant vous, voilà, on a été jusqu'au bout. La petite sortie. Sur ce, on vous dit à très vite, ciao. Prenez soin de vous les amis, on s'abonne, on like, bien entendu. Voilà, un beau gros pouce bleu pour la sauce, vous le mettez sur ma chaîne, je retransmettrai. C'est clair. Allez, ciao. Salut. Je viens de faire un énorme paix. Mais non, il a plu. Mais c'est quoi, c'est dans ma poche. Je pense qu'il va sentir. Hein, Cédric ?